Salut à tous. Alors bienvenue sur Rayman 3 HD, très vieux jeu, et pas sur n'importe quoi, sur Xbox Series X. Bon, après avoir terminé Immortal Phoenix Rising, me voilà sur Rayman 3. Donc, alors, ouais, ça c'est bon. Alors côté son, il y a le son. Ouais, ça c'est bon. Donc, ben, allons-y, let's go. Donc Rayman, c'est un très vieux jeu que j'avais fait à l'époque sur GameCube. De très bons souvenirs. Excellent Rayman. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une suite après ça. Dommage qu'il n'y ait pas eu un Rayman 4. Mais bon, on aurait tous aimé. Mais bon. Bon, alors le Rayman, je le terminerai pas à 100%, hein. Bon, alors vu que c'est tout nouveau. Yeah.
Eh ben voilà, un niveau fini à 100%, hein, bien sûr. Bon, ça c'est le début hein seulement, bien sûr. Comment ça va la saucisse? Wow. Eh, je déconne, t'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario? Soudain, le drame. Entrée, transforme les lumes rouges en hood lumes. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah, ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Alors, le Rayman 3, j'ai trouvé en promotion. Je l'ai pris sur. Sur. Xbox Series X. Et voilà. C'est là que ça devient génial. Parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner. Parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score. C'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, le disque pour sauter, il faut utiliser la touche de saut sans blague. Voilà une info. Et là, le disque pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour écrire ça. Alors, je vais modifier un coup un truc. Y a pas... On ne peut pas modifier l'audio. Aide et options. Ouais, audio. Alors, dialogue. Tiens, je peux augmenter. Alors, j'augmente les dialogues. Alors, voulez-vous annuler tous les changements de paramètres? Attends. What? Ok, c'est bon. Sauvegarder. Ah. Et ben voilà, je suis prêt. Let's go. Apparemment, il y a pas encore le double saut. Enfin, je crois pas qu'il y ait. C'est quoi le truc là? Bon, c'est pas trop grave. Ah purée, c'est pas vrai. On entend les battements de ses ailes. Ah.
T'es vraiment le meilleur. Merci. Attends, trop mort de rire. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. De l'hélico avec tes cheveux? Ils ont fumé ou quoi? Il y a les petits êtres dedans. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas de remaster de ce Rayman. Regarde, le conseil des fées. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement gaguelles. Bon, alors j'avais vu qu'il y avait un endroit où j'ai pas encore exploré. Attends, c'était où déjà? Non, là c'est au tout début. Ok. Bon, là je suis déjà perdu. Ok, bon, là ça sert à rien. Oui.
What? Alors, est-ce qu'on peut aller dans le... Oh, ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Ok, on peut aller sur l'eau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Apparemment, ça fait pas l'air. Qu'est-ce que c'est? Y'a quelqu'un ou... Ouais, mais c'est la voix de Globox. Laissez-moi tranquille. Partez. Allez, viens. D'Ivoire, tu serais pas un peu différemment avantagé comme mec? Y'a un tonneau qui bouge, une porte qui peut se lever et un interrupteur. Ça te donne pas une idée? Maintenant, me demande pas ce qu'une porte vient faire au milieu de rien. C'est sûrement une idée du type qui a écrit Manuel. Et purée, mais... Hein?
Et non! Ah, c'est bon, c'est par là même. Change pas de pied, change. Et voilà. Dites, on peut faire ça à trois. Enfin, les mains. Les mains. Oh, de bonheur en début de jeu. Moi, je dis que ça cache quelque chose. Après, il faudrait que je me refasse les Rayman Legends. Ah, je suis content. Ah, la musique, elle est bien. Je sais pas si c'est de quoi, mais elle est bien. Petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose, moi c'est Globox. Il dit rien quand je le frappe. Oh! Allez, c'est pas grave. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le concile d'épée! Non mais là, c'est plus possible! Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très intelligente, oui, voilà. Bilan! Je me retrouve à faire la mouche dans une série Z. Ah ouais, parce que il me manquait encore des diamants. Pas une seconde à perdre. Nous devons rattraper André avant qu'il ne touche le cœur du monde. Hé, regarde, un interrupteur. À tous les coups, il actionne un mécanisme. Allez, frappe. Ah, alors, on va attraper tous les diamants en bas. Dépêche-toi, la force grandit chez André. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Allez, monte. Voilà, c'est bon. Jamais arrivé tout seul. Des tirelires ! Je suis pas devin, mais j'ai comme l'impression qu'elles contiennent quelque chose. Trop fort, youpi !
de triomphe, il pondra Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Alors, t'as peur de faire mal au cochon? Un gars pour augmenter ta... Ouais, bon, je connais, c'est ce que je fais. Les mots me manquent! Extraordinaire! Extraordinaire! Anticonstitutionnellement extraordinaire! Incroyable! Bon, apparemment, l'hôte, il est tout excité. Apparemment, j'ai tout fait, il n'y a plus rien à... Ouais, à faire. What? Bon, attends. Ah, Ubisoft, faites-nous un Rayman 4! Le manuel dit que tu peux lancer tes poids sur le côté! L'auteur insiste! Ça doit être important! Bah, t'as plus qu'à remonter! En tout cas, moi je comprends mieux pourquoi les fées ne sortent pas en boîte! Rentre au concile à 5h du mat avec un petit coup dans le nez, c'est sûr que ça doit pas être facile! What? Ok. Vas-y, Rayman! Excuse-moi, on me parle dans l'oreillette. C'est Monsieur Ubisoft. Il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement, je cite, pas très fun. Mais il dit que tu dois t'appliquer, car les tirs de côté te permettront de battre Hoodlums. What? Mais non! Enfin! André est là! Vite! Tire-lui dessus, je vais pas tenir longtemps! Mais où est-il précisé que je dois faire? Écoute ça, le nain jaune! Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en Hoodlums, je reviendrai m'occuper de toi! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon! La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut! Ah non, Rayman! Ça appartient aux Glooms! C'est peut-être dangereux! Hey, trop la honte! T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche! J'ai déjà essayé les champignons. Ouais. Bon, allez. Ça va pas durer éternellement. Perdons pas de temps! La survie de tous les peuples en dépend! Vous me dites si j'en fais trop?
rapproche du cœur du monde. Attends, il y a encore des choses à prendre là. Je suis connecté. Oh. Sinon les hauts de luxe vont triompher du monde de l'amour et de la beauté.
casser tous les lums. Sinon, tu pourras pas restaurer l'équilibre énergétique du cosmos. À prendre ça. Allez, c'est pas grave. Ok, des petites boules rouges, ce sont les points de santé. Je me disais à quoi ça servait.
Allez! On dirait qu'il n'y a plus rien. What? Allez, avance! Rentrez, ne doit surtout pas rentrer! Rattrape-le vite! Hé, Raymond, je suis là! Allez! André! Mais où est André? Allons demander au moine. Le cœur! C'est là que toutes les énergies du monde sont concentrées! Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre! Je le connais. Il saura comment éliminer André. Neyman, fais gaffe. André est un lymph noir. Et les lymph noirs, ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Eh ben maintenant, allons-y. Merde. C'est moi. Allez, purée. Thank you.
Allez, la suite maintenant. Bah, qui c'est qui a retiré la jolie musique? J'espère que j'ai rien cassé. Musique, où es-tu? La ferme, et sors-moi de là! J'ai soif! Rayman, faut vite que j'aille me faire soigner. Jamais vous n'atteindrez le guérisseur de la forêt, mais Outlims vous arrêteront avant. C'est quoi ça? Ok, bon. Thank you.
fermer tous les petits êtres. C'est pas gentil. Pif! Regarde ce que j'ai piqué au Hotlims! Faut que j'aille éteindre le barbecue! Allez, merci, ça demande service. Hey man, c'est pas le moment de se déguiser! Faut que j'aille au docteur, moi! Allez, deux. Faut que j'aille, la nature appelle. Allez, vas-y. Rayman, ça devient ridicule ces déguisements. Et en plus, ils sont pas terribles. On te reconnaît tout de suite. What? Bon, j'ai pas encore tout fait là. Thank you.
Enfin, je rêve ou je peux plus descendre? Bon, allez, c'est pas grave. On dirait qu'il a soif. Le box, vas-y ou je t'arrache le cœur. Allez. J'adore. Je sais nager. Je sais nager. Ouais, il se fatigue. Oh, à 5 minutes, tu voulais boire et quand on te donne de l'eau, t'es pas content? Oui, mon dieu, il fatigue trop vite.
Enfin! Glebox, où tu me files à boire? Où je t'aspire le gros intestin comme un spaghetti? J'irai mal. C'est trop con loin, docteur. Il en peut plus. Laisse-toi! Juste... Alors, je sais pas s'il y, y en a qui l'ont fini à 100%. Mais bon, moi, à l'époque, je l'avais pas fait. Je m'étais contenté de le terminer comme ça. Yes. Bon, allez. Attends, il me manque encore... Même Speedy Arglout n'arrive pas à faire ça. Et Rayman, regarde,
Je vole. Ah, c'est rigolo. Attends. Vaisseau spatial planète inconnue, soumettez-vous à ma puissance. Je répète, soumettez-vous à ma puissance. Non, alors ça j'ai déjà essayé. Oui, c'est pas vrai. C'est censé représenter quoi? Thank you.
Mais non, mais fallait pas prendre ça. Et là maintenant, je suis obligé de recommencer tout. What? Bon, enfin. Salut à toi, Thomas Moi. Alors, les liens sont interdits ici. Alors, comment vas-tu? Ah ouais? T'es qualifié pour la MKU? GG. En fait, quand tu fais des smileys, fais pas la peine de spammer. Et sinon, comment vas-tu? Ça fait longtemps d'ailleurs. En ce moment, j'ai plus trop envie de faire du Mario Kart. Non, du Mario Kart, j'en fais de temps en temps. Ouais, ça va. Ça va. Là, je fais Rayman 3, un vieux jeu. Je sais pas si t'as connu. Et je le fais sur Xbox Series X. Il était en promo et je l'ai pris. Bon, bah, allons-y. Thank you.
Allez, en haut, il y a quoi? Ok. Ça fait depuis quand que t'as intégré une team, c'est ça? Là, il faut aller en haut et sauter en hélicoptère. Bon, allez. Au secours ! Ah ben, ça va. Allez, encore deux petits êtres et après ça va. Ok, le bleu c'est pour le grappin. Ok. Allez. Ça rappelle de vieux souvenirs, purée. En fait, j'aurais pas dû. Non! Allez! Là, je joue à 1m50 de la télé et ça me déconcentre. Purée, mais c'est pas vrai, je fais exprès ou quoi? Thank you.
Un petit coup. Ok, ça va, c'est bon. Ok, bon, allez. What? Ok, j'étais pas assez près. Yes, bon, alors, je vais retourner où c'est que j'étais et je vais démolir la porte.
Je suis pas retourné au tout début, j'ai l'impression. Ah non, même pas. Ah non, si, je suis retourné au tout début. Mais purée, mais c'est pas possible! Vraiment charmant par ici. T'as vu Rayman? Il y a même des prunes. C'est bon le jus de prune. Moi, le jus de prune, si c'est pas fermenté. Oh, quel rabat-joie celui-là. Profite de ce qui t'entoure. Respire la nature, ça sent bon. Là où je suis, si je respire, je suis mort. C'est quoi? Ooh.
Enfin! Ça suffit maintenant avec ces déguisements! Faut qu'on aille chez le docteur! Arrête, blondin! T'es ridicule! Ouais, attends, alors, option, commande. Inverser vertical, inverser horizontal. Bon, je vais essayer ça. Je viens de comprendre ce qu'il a dit. Oh purée. Pas fini. Enfin, c'est pas trop tôt. Ah.
C'est comment pour... Alors, si je fais ça, ça retourne comment? Ah ok. Ok.
Purée, mais... What? Ok, bah ça va pourquoi, la bombe, ça fait rien. Attends, je vais mettre comme ça et après je toucherai plus. Pardon. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà.
Attendez un instant, je reviens. Bon, allez, ça y est,
me revoilà. Donc je vais pas tarder à arrêter. Pardon. Ah ouais, par où il faut passer là? Alors il y a un petit être pas trop loin. Enfin! Faut que j'aille regarder dans la boîte à gants! Ouais, ben va regarder dans la boîte à gants. Ça fait trop long.
Alors, je vais voir un coup quelque chose. Oui, mais... Enfin, je réussis. Allez. Ok, je vois aussi. Alors, va faire tes lacets. Yeah.
renforcer le cabinet du guérisseur. Nous avons réussi. Laisse-moi rire, gros naze. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Et comme ça, demain, je ferai un live. Je vais essayer de faire un live plus long demain soir. Ah, je verrai pour faire du Mario Kart pour ce soir. Et là, je m'arrête là avec le Rayman. En fait, la façon dont je suis disposé, je suis super mal positionné par rapport à la télé. Donc la télé, elle faut qu'elle soit face à moi. Mais là, c'est pas le cas. Donc je verrai pour me prendre un autre écran. Bon allez, alors bon ça sauvegarde automatiquement, en fin de niveau ça sauvegarde. Donc je quitte. Donc voilà. Donc l'excellentissime Rayman 3, je reprends demain soir. Et là je vais faire une pause et après je passerai à Mario Kart. Enfin je verrai avec d'autres personnes pour faire du Mario Kart avec moi. Bon allez, je vous quitte et comme j'ai dit, Rayman ça sera demain. Allez, tchuss.